Victor. This is Nancy. Bigger. Bonjour, chers collègues. Welcome, bienvenue. Vous êtes venus très nombreux, plus nombreux encore que nous en serons. Comme vous l'avez demandé, avec juste titre de l'âge de membre, nous nous redonnons aussi en grand commun au cours sanitaire et interinstitutionnel toutes les organisations sanitaires représentées ici ensemble, comme vous le demandez, pour défendre les intérêts du personnel qui est pour vous et défendre les institutions européennes. Vous nous avez donné mandat le 9 novembre. De revendications précises. Nous avons suivi vos instructions. Nous sommes allés négocier avec le collège. Le collège a entendu une partie des revendications. Et puis, soudainement, la négociation a été rompue. Une chaîne de réponse par le président de la police. Et pourquoi est-elle rompue? Parce que l'appel de la région de conciliation, le conseil a envoyé aux gens de tous les États membres. C'est une liste de revendications dont vous avez pu comprendre et voir la teneur qui vous a été distribuée il y a quelques jours. Les éléments sont aussi disponibles en français anglais sur la table. Notre situation est la suivante. Quand vous nous contactez, au nom du Front commun pour aller négocier, pour la première fois, la négociation s'ouvre à découvert du grand interlocuteur, c'est une question de notre membre, grâce aussi à notre travail en Front commun intersyndical. Avec votre soutien. On s'est ouvert parce que vous étiez unis avec nous pour aller évoquer le travail ou la proposition faite par la Commission. Les mauvaises nouvelles qu'elle nous a lancées pendant la réforme du statut que nous ne trouvons pas. Mais ce qui est inquiétant, ce n'est pas nécessairement la forme de la négociation et le fait qu'il y ait des difficultés, des allées et des retours dans les négociations. Ce qui est beaucoup plus inquiétant et qui manifestement vous montre aussi l'état de gravité de la situation, c'est que l'interlocuteur ne respecte pas les dialogues sociales, que notre interlocuteur du collège ne respecte plus les intérêts et la défense du personnel et l'institutionnel. C'est la première fois que le collège est en représentant dans une négociation et que tout s'en trouve aux intentions du conseil. Et qu'il change sa position ou son attitude en fonction des questions qui nous viennent des États membres. Ce n'est pas la première fois que nous soutenons une expression très connue, que vous avez dit, c'est du même. C'est déclaré le plus souvent à l'écoute du monde dont il vient, qui est le représentant de son pays au européen, et qui en s'appelle qu'il est toujours. Donc, dans le secteur de l'éducation, quand on a dit que c'est un peu plus tard, il y a un peu plus tard, we stick with the executive of the national state where we stand. Well, Central Steve has been picked up in great secrecy for 6 months or more, with no involvement of Eurostat, no involvement of the press, no involvement of the CSU. A full package of 50 pages of report on Eurostat regulation, with no so-called dialogue at all, nothing. And they came out on the 29th of June with a full ready package. And there was nothing, no negotiation before, except that the list is now pretending. Now, the negotiation we did is open since 6 months or more, and it's a particular moment. So I think this program is this type of attitude, this tactic, which is certainly annoying the so-called dialogue in the dialogue system since the beginning of the institution, always, when we went in 2004, before we went for the reform in 2004, the college had initiated a proper dialogue with the staff, and the staff representative. But this time, Mr. Sertoli is prepared
in complete secrecy. Which is a very significant negative effect when you know what are the symptoms of the state. To comply with the instructions with the order you can receive from the monastery. So, I understand that there are many people, all the colleagues that are loyal to the institutions cannot count any longer on the loyalty of the college and the loyalty to preserve Thank you.